Ouais, salut, une vidéo encore sur le tas. Est-ce que c'est coup de gueule? Je suis pas sûr que ça soit coup de gueule, en tout cas c'est franchise absolue. T'as vu, j'ai remarqué que dans mon audience, il y a des gens qui me suivent et merci à eux. Bah, il y a beaucoup d'Africains et d'Afro, des Antillais, des Noirs tout simplement. Arrêtons de dire Black pour pas avoir peur de dire le mot Noir. On peut en être fier de dire ouais, des Noirs. Et moi, je suis très 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 reconnaissant d'avoir des Noirs. Mais le fait d'avoir des Noirs, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça fait peur aux Blancs? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais. Donc, on dit oui. En plus, même moi, je commençais à le dire. Ouais, mais tu sais, ça marche avec l'identification ou quoi que ce soit. Mais c'est quoi cette merde d'identification? C'est-à-dire que dans le savoir, dans la transmission, il y a de la couleur. Mais de quoi tu me parles? Ça veut dire que, moi, à un moment donné, tu peux être un Blanc et, ou un Jaune ou un Malgache ou un Indien, mais je peux t'aider aussi bien qu'un frère qui est Noir. C'est quoi le problème, quoi? Et c'est vrai que parfois, j'ai tendance à me dire, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? On les effraie, j'effraie les petits Blancs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Après, ok, ce que je vais faire, et je vous présenterai un de mes gars, avocat, Beko Tabula, qui, vous allez voir, on va faire des vidéos ensemble. Et vous suivrez, mais à un moment donné, ben, on va se mettre entre nous, et vous savez ce que ça va faire, le fait qu'il y a un regroupement, les gens vont avoir peur. Ah ouais, mais ils veulent quoi? Ils nous veulent du mal? Ils veulent quoi? Mais de quoi tu... Fuck you! Mais c'est quoi ton problème, quoi? Donc maintenant, quand on est en plus, non seulement... Attends, mais là, ça me fait monter en vrille, là. Non, mais sans déconner, quoi. Non, excuse-moi, Julien, mais là, en plus, Julien est blanc. Hein. Mon gars, là, derrière la caméra qui me filme, est blanc. Mais c'est pas une histoire de blanc contre noir. C'est justement ça, le problème. C'est qu'à un moment donné, parce que t'as peur de quoi? Tu sais quoi? Moi, je travaille avec des blancs, avec des noirs, et c'est le même résultat, d'accord? On peut avancer ensemble vers le succès. Et à un moment donné, que tu te sentes pas, ouais, tu préfères aller vers tes petits gars, là, tes petits merdeux des infopreneurs, là, les petits. Et même les infopreneurs, tu les vois, ils sont tous ensemble. Ils mangent ensemble, ils font... Allez vous faire voir, là, les gars. Moi, maintenant, je vais être éclectique. Il n'y a pas de noir avec noir. Par contre, si tous mes frères viennent avec moi, il n'y a pas de problème, ça sera avec un grand plaisir qu'on ira tous ensemble pour pouvoir aller réussir nos objectifs. Mais qu'on vienne pas nous dire « Ouais, mais attendez, regardez, il faut un regroupement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous veulent du mal, quoi que ce soit. » Quel mal tu me parles, toi? C'est le seul mal, c'est toi qui le vois. C'est toi qui crois à ça. Il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun mal. Je te le dis clairement. C'est toi qui as peur, c'est tout. C'est toi qui as peur. Et quand tu vois un mec comme moi qui peut te donner des conseils qui pourraient t'aider, tu as quoi? Tu as peur. Tu vas plutôt voir une merde qui va aller prendre tout ton oseille et qui va rien y faire. Tu préfères? Mais vas-y. Mais vas-y. Donc moi, aujourd'hui, c'est ça le truc. Noir avec noir, blanc avec blanc, patati avec patate, ça commence à me gonfler. Ok, maintenant, j'accepte, je te le dis clairement. Écoute bien le discours, je l'accepte. J'adore, moi, tous ceux que je connais, que je vois, mes frères, mes sœurs, ben, je suis à fond avec eux. Mais je te l'ai déjà dit, c'est pas parce que j'aime ma communauté, que je la chéris, que je vais menacer les autres communautés bien au-delà. Tu veux que je te dise? Mes enfants, ils sont métis. Ils sont métis, et alors? Et alors? On avance. Mais maintenant, je comprends les méga, Beko, tout ça, qui disent hey, « ok, ils ne nous aiment pas, ils ont peur de nous à chaque fois, ben, on reste entre nous, et on le fait comme ça. » Je comprends complètement. Et c'est peut-être ce qui va se passer. Donc j'invite toutes les frères et les sœurs, venez, il n'y a aucun problème. Et les petits blancs et les blancs qui flippent parce que je ne sais pas quoi et qui doutent qu'on puisse les aider à aller remplir leurs objectifs, eh bien laissez tomber. Tu sais, ça me fait penser un peu à l'histoire de Martin Luther King, tu vois. Martin Luther King, effectivement, il s'est focalisé sur la ville de Selma. Voilà, à un moment donné, il a œuvré pour sa communauté et ensuite, ça, d'autres sont arrivés. Et il y a eu des blancs, il y a eu toutes les origines, il y a eu toutes les couches sociales qui sont venues. Et ben, je me demande si c'est pas forcément ce qu'il va falloir que je fasse, franchement. Que je me concentre effectivement sur ma communauté et tout le reste, ben, je leur dis, ok, ben, quand vous voulez venir, vous viendrez. Mais c'est quoi ces conneries, quoi? Mais de quoi t'as peur, là? De quoi t'as peur? Je te le répète, de quoi t'as peur? Tu veux que je te dise que... Je vais te montrer, moi, mon pédigré. Toi qui peux être blanc ou quoi que ce soit, tu verras que mon pédigré peut t'aider. Il peut t'amener à des résultats que tu n'imagines même pas. D'accord? Donc j'ai envie de te dire, si tu viens avec moi, tant mieux. Et tu sais ce que je vais dire? Maintenant, je pense que le gimmick, je sais pas s'ils l'auront encore le gimmick. Ceux qui veulent pas venir. Fuck you! Attention, ce type de vidéo n'a pas pour objectif d'obtenir des abonnements à la chaîne.
ni d'avoir des likes. Vous pouvez tout au plus réagir en laissant un message.